bien voilà, troisième et dernière tranche horaire déjà pour Canal C et la couverture du Kick Festival. Je vous le rappelle, c'est la 7e édition et nous sommes toujours en direct sous le chapiteau du Market installé Place d'Armes. Pascal, tout va bien, hein ? Tout va très bien. Il y a beaucoup de monde, en tout cas. Il y a beaucoup de monde dans le Market. Il y a beaucoup de bruit. Ouais. On s'excuse d'ailleurs un petit peu si tout n'est pas très, très audible. On va se tourner tout de suite quelques mètres derrière nous, près de Damien. Damien qui est toujours dans la newsroom. Comment ça va, Damien ? Ah ben, ça se passe bien. Il y a beaucoup de gens qui réagissent et qui se demandent effectivement quand les différents types de vélos dont on parlait tout à l'heure allaient arriver. Voilà. Et puis les conférences aussi qui continuent à battre leur plein et à faire amener plein de gens. On peut d'ailleurs voir les images qui ont été tournées il y a quelques secondes, juste derrière nous. Alors normalement, je ne sais pas si on voit les images. Il y a un petit problème de connexion. Ouais, on vous montrera les images tout à l'heure. Oui, ce n'est pas grave, mais en tout cas, on a vu beaucoup de monde aux alentours du marché, Damien. Oui, beaucoup de gens autour du marché. Il y a des grandes conférences qui ont lieu maintenant avec des designers qui sont... qui viennent partager leurs expériences. Et forcément, il y a beaucoup de gens qui voulaient assister à ces conférences, qui faisaient la file depuis quasiment une demi-heure avant de rentrer. Je pense que tout le monde n'a pas pu rentrer d'ailleurs dans la salle à ce moment-là. C'est un peu la rançon du succès. Mais oui, quelques noms de ces speakers bien connus. Hein. On les attend vraiment ici à Namur. Oui, des gens qui viennent de chez Google, des gens qui viennent de chez Facebook. D'ailleurs, à 18h10, il y a une conférence qui est sold out. Hein. Malheureusement, si vous voulez venir, il fallait pouvoir vous inscrire. Ce sont des gens qui ont l'habitude de se retrouver devant des grandes foules. C'est vraiment des shows. Pour en avoir vu deux, trois des images qui sont passées, il y avait des gens en short même hier sur scène. Ose-t-on imaginer ça sur la scène du théâtre, même là. Merci Damien. N'hésite pas à intervenir si tu as encore des choses à nous faire remonter du web. Tout à fait. Bien. Allez, nous on enchaîne avec pas une démonstration sur ce plateau, mais on va montrer quelques images. On parlait d'un vélo tout à l'heure. Ouais. Maintenant on va parler d'une voiture, mais ce n'est pas du tout une voiture comme toutes les autres. Alors pour nous présenter ce projet, nous accueillons Raphaël Reinemann. Bonjour. 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 Alors, que l'on précise, on va parler anglais ensemble parce que vous venez d'Allemagne, je pense. Oui. Voilà. Et Baudouin ne parle pas allemand. Baudouin ne parle pas allemand, mais il parle anglais. Et tout le monde s'y retrouve en anglais ici, au Kick Festival, oui, sans problème. C'est une petite équipe où ils sont des Allemands et des Américains. Ils sont basés à Stuttgart, effectivement, mais ils sont évidemment anglophiles et ils travaillent dans le monde entier en anglais. Oui. Alors, racontez-nous à propos de cette voiture. Alors, ça a quatre roues, c'est sûr, ça roule, mais ça n'a rien à voir avec la voiture de monsieur et madame tout le monde. So, Raphael, your car has four wheels, but it has nothing to see with the ordinary car. So yes, the project we are talking about is who wants to be a self-driving car, and this is what we are presenting also here at Kick. Donc notre projet s'appelle « Qui veut être une voiture autoconduite ?» et c'est le projet que nous présentons ici. And the car is equipped with sensors, and these sensors see the world as a car would. Donc la voiture est équipée de senseurs qui montrent l'environnement précis de la voiture, de capteurs. As self-driving cars have a control unit within them, this control unit uses these sensors to steer around our cities. Voilà, donc la voiture, elle a une unité de contrôle qui utilise tous les capteurs pour conduire et guider le véhicule à travers tous les obstacles qu'il peut rencontrer sur la route. Okay, and the interesting thing is that within our car, we take the control unit and change it with a human being. So as you see in the pictures, you wear a VR goggle, and through the VR goggle, you will see the data the sensors see. Donc pour l'instant, on voit les images à l'antenne d'un test que Raphaël a fait ce matin, qui a été dans les rues de Namur. Donc on voit réellement sur le masque qu'il porte, lui ne voit pas la rue, il ne voit pas l'environnement directement, mais il le voit à travers les capteurs et à travers la caméra. Donc ici, c'est un test qui a été fait ce matin en conditions réelles. How difficult is it to drive this car? Est-ce que c'est difficile de conduire cette voiture? After you get used to it, you have to kind of get into the digital world, fully immerse it, and it's kind of hard to see the distance and to see what's around you, but after a while it gets really easy. Ce qui est très difficile, c'est de capter les distances, parce que la manière dont c'est rendu dans l'écran ne permet vraiment pas de sentir bien si on se trouve loin ou près des obstacles. Alors, l'intitulé, c'est qui veut être une self-driving car, c'est même pas qui veut conduire, c'est qui veut être. Quel est l'intérêt de se mettre, nous humains, je dirais, à la place d'une voiture comme ça? The project is named Who Wants to Be a Self-Driving Car? Who wants to be, not to drive? Yeah. What's the interest of it? Well,
Since these cars will be around our streets in the near future somewhere, sometime, it will be interesting for us to understand these systems. And voilà, le principe, c'est qu'à l'avenir, il y aura des voitures comme ça dans notre environnement. Et donc, il y a intérêt à ce que nous comprenions comment elles fonctionnent. And since these systems are based on data and how decisions are made is based on computers, we thought about the question, how do computers make these decisions and what voilà, data? Et donc, comme ces systèmes sont basés sur des ordinateurs et sur des processus informatiques, on voulait comprendre comment ces machines fonctionnent et comment elles prennent leurs décisions. Alors, yeah. Qui a eu cette idée? Who got the idea? So I had a first idea and I discussed it with Joey and my colleague Joey. C'est moi qui ai eu la première idée et puis j'en ai discuté avec mon collègue Joey. Et qui la finance? Who pay for it? Well, the nice thing about our setup is we have freedom to within Movil Lab. We are part of Movil, which is a part of Daimler. And, donc nous faisons partie d'une société qui s'appelle Movil et Movil fait partie de Daimler, donc de Daimler-Benz. Donc en fait, ils sont financés par Daimler-Benz. Can we say that you are driving a Mercedes? I wouldn't go as far as that because I still see it as a prototype and I would not see this as a product to have in any realm of that. Voilà, donc je me demandais si c'était une Mercedes, mais il dit non, c'est un projet, c'est un prototype, c'est pas du tout un véhicule qui se conduit. The most craziest thing about you is that you have found somebody to pay for it. Ce qui est le plus fou, c'est que vous ayez trouvé quelqu'un pour vous payer pour faire ça. It's the beautiful part of exploratory research and creative research, and I think also design, the role of design and design research, basically. Alors, elle suscite beaucoup d'intérêt hein, ici sur le marché. Quel est le retour des visiteurs? So you have many visitors who show a big interest in your project. What do you feel about it? What do they tell you? So, as much of French as I understand, one word I hear really often was. Oh mon Dieu! Pour autant qu'ils comprennent le français, vous avez tous entendu. Il y a bien sûr un mot qu'il a entendu tout le temps et qui revient, c'est oh mon Dieu. But I think it's a good way to talk about the future of mobility and to discuss with people who will eventually see these technology drive through our streets how this actually works and to raise awareness of how self-driving cars actually fit into society. Par contre, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au futur de la mobilité et qui donc comprennent ici comment peuvent fonctionner des machines automatiques comme celle-ci. Alors maintenant, pour le futur, vous avez créé ça, c'est un beau défi, c'est assez ludique en fait. Mais est-ce qu'il y a un avenir de votre projet ou est-ce que vous allez travailler sur d'autres projets de ce type? Is there a future for your project or are you working on other type of project for the future? So, right now we are in the modus of showing this to as many people as we can, so we try to get it to places and to show it. Pour l'instant, celui-ci, on le montre. On a seulement eu fini de le construire il y a un mois. C'est la deuxième fois qu'il est montré. The first time was in Munich. Yes, and not even 2 weeks ago. So we just finished it and came here to Namur. Voilà, donc il a été montré à Munich il y a moins de 2 semaines, et donc ils sont ici à Namur. C'est la deuxième fois qu'ils le montrent. C'est leur. And for the future, what are you working on? Yes, in research labs, it's also it's hard to talk about. But no, I don't. We have many ideas. I think a very cool topic is also augmented reality and also gaming. Maybe how games and mobility can fit together. The thing is, pour le futur, il va travailler sur des projets qui essayeront de combiner la réalité augmentée et les jeux, de montrer comment ça peut se goupiller. Alors, on a vu les images à Namur tout à l'heure. Ça, ce sont des images à vous. Leur site internet. Hein. Voilà, où ont-elles été prises? So, this is just images you made. All of the projects that we are also planning in the future is that have to do something with mobility, and this is the only thing that the future thoughts kind of. Voilà, donc nous, tout ce qu'on fait, c'est toujours travailler sur le futur de la mobilité. Si Damien m'entend, ce serait peut-être bien qu'il nous montre une page d'un site internet, puisqu'ils ont travaillé sur. Ils ont travaillé également sur un projet qui était un peu fou où en retrouvant le proverbe qui dit toutes les routes mènent à Rome, ils se sont dit tiens, on va vérifier ce que ça donnerait avec toutes les routes qui mènent à Rome. Ça, donc, c'est la même question de tiens, si on ferait bien une voiture, si on faisait une voiture comme ça. Là, ils se sont dit, est-ce que vraiment les routes mènent à Rome? Voilà, et voilà ce que ça donne, la carte. So, can you tell us about this? Vous imaginez? So yes, this is another project. It answers one of the biggest unsolved mysteries of mobility. It's donc, the question, c'est do really all roads c'est une carte qui répond à un projet qui répondait à un des grands mystères
de la mobilité qui n'avait jamais été résolue. Est-il vrai que toutes les routes mènent à Rome? So we spread 500,000 points all over Europe, and from every point we drew one, we calculated one route driving to Rome. On a réparti 5000 points à travers l'Europe, et au départ de chacun de ces 5000 points, on a dessiné une route, on a suivi les routes qui permettaient de mener à Rome. Et voilà la carte que ça donne. And the more routes, routes are on one street, the bigger is it shown on the map. So you could say, plus il y a de routes qui se rejoignent, plus évidemment la route est grosse. If everybody in Europe wanted to see the Pope at once, this is where the traffic jam would be. Voilà. Et si tous les gens en Europe voulaient voir le Pape au même moment, voilà ce que ça donnerait pour le trafic en Europe. You are totally crazy, guy. C'est marrant parce que fou, ces gars-là. On dirait quasiment un système sanguin, hein, un corps humain, etc. Je propose que pour l'année prochaine, vous fassiez répondez à une question. Est-ce que toutes les routes mènent à Namur? For next year, so you're going to answer this question. So we didn't figure out how to make this possible for every town, but on the website you will find many different versions of all roads to Berlin. I think all roads to to different capitals and Paris, Brussels. Paris, actually. En tout cas, vous avez trouvé le chemin à Namur avec votre voiture et on vous en remercie. For next year. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Allez, on va se promener encore un petit peu dans le market avec une... Oui, alors là, leur idée était déjà un peu folle. Oui. Celle-là est pas mal aussi, quand même, dans on le va, genre. On va regarder, oui. On va regarder et je propose même qu'on fasse une petite pause pipi. Si je puis me permettre, Sophie. C'est peut-être le moment, en effet. C'est le moment. On regarde la minute market. Voilà, c'est parti. Vous allez comprendre. Moi, c'est Stéphane Van der Hulen. Je suis porteur du projet GameStream avec Léonard Collet. À GameStream, on a conçu un capteur qu'on met dans un urinoir et qui permet d'une part de jouer à un jeu vidéo le temps de la petite commission et d'autre part d'analyser la qualité de l'urine. Et donc en fait, on utilise le jet d'urine comme joystick pour pouvoir guider le jeu le temps de la petite commission. L'objectif dans un premier temps, c'est de créer du fun, de pouvoir aussi l'utiliser comme outil marketing, parce que comme maintenant on arrive à détecter le niveau d'hydratation d'une personne par le biais du capteur, ben on peut faire de la communication sur hydratez-vous ou pas, et donc ça pourrait intéresser les sociétés qui vendent des eaux. Voilà, retour sur notre... Ben oui, je me dépêche, hein, oui. C'était la petite pause. C'était la pause pipi. Hein. Oui, quand même qu'il y en a qui sont assez barrés hein, dans le genre. On se pose des questions. Ils sont créatifs, moi, je dis, voilà. Créatifs. C'est ça qui est très bien. Allez, on passe à notre invité suivant. On a dit qu'on vous présente quelques conférences qui ont énormément de succès, sont quasiment toutes sold out. Donc, c'est l'occasion pour nous d'avoir un petit bout de conférence en invitant des conférenciers. Et on accueille Oscar Lhermitte. Bonjour. 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 Alors, vous avez donné une conférence hier au KIK. Aussi ce matin, une sorte de conférence en tout cas ce matin. Alors je vous présente en quelques lignes. Vous êtes designer multidisciplinaire. Vous vivez à Londres. Alors vous avez déjà travaillé sur des projets notamment pour des musées à Londres, des musées à New York également. Et vous êtes cofondateur d'une agence de création qui a lancé des campagnes Kickstarter. Là on va expliquer ce qu'est Kickstarter. D'abord, première question, c'est quoi un designer multidisciplinaire? Bonne question. C'est parce qu'en fait, je ne sais pas trop comment me définir en tant que designer parce que je touche vraiment à beaucoup de choses. Et je dis que je suis designer multidisciplinaire parce que je fais du produit, qui est vraiment ce que je préfère et ce que j'adore faire. Mais je fais aussi des clips pour des musiciens. Je fais du commissariat d'exposition, donc en fait je touche un peu à tout et c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est en fait un peu mettre ma patte partout et avancer comme ça dans ma carrière. Comme tout à l'heure, on a aussi également des conférenciers ici. C'est leur plaisir, c'est de passer d'une discipline à l'autre, de se remettre en question, d'essayer d'innover, d'aller plus loin que les créations actuelles, etc. C'est ce qui vous plaît? Oui, exactement. Et aussi je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important dans toutes les personnes créatives aujourd'hui, c'est il faut toujours réinventer sa pratique et toucher à tout. Et surtout, sur ce qu'on va parler de ce qui est Kickstarter, qui est de lancer son projet tout seul, faire la vidéo soi-même, etc. Donc on doit un peu toucher à tout. Et ça, c'est un truc que je pense que tous les créatifs doivent maintenant faire. Ouais. Alors vous vous nourrissez de quoi? Qu'est-ce qui vous inspire? Alors bon, moi, ce qui m'inspire énormément, c'est les objets du quotidien. Donc les objets qui sont super, super inintéressants. Comme un panneau stop, une bouche d'égout, etc. Mais moi, c'est ce qui me passionne et c'est pour ça que j'ai fait une exposition là-dessus. Mm-hmm. Parce que c'est comprendre les objets du quotidien
qui en fait sont les objets qu'on utilise tous les jours et qui sont du vrai design en fait, parce qu'ils sont invisibles, mais on les utilise tous les jours. Bien, bon, on comprend déjà aussi qu'ils sont dans un autre monde que nous. Mais c'est très intéressant. Non, moi je suis avec eux, moi, dans ce monde-là, j'aime bien. Je m'imprègne, je voyage aussi, parce qu'on a tous des conférenciers comme ça qui viennent de partout, et c'est très, très intéressant. Ouais. Alors, Kickstarter, au départ, c'était quoi? Parce qu'on sait que ça évolue beaucoup. Au départ, c'était quoi l'objectif de Kickstarter? C'est de lever des fonds, d'aider des créateurs, justement, qui ont une idée, mais qui veulent aller plus loin. Oui, c'est ça. Donc, Kickstarter, ça a été créé en 2009. Ça vient des États-Unis. Ils sont basés à New York. Et c'était à la base de se dire, bon, ben voilà, on va essayer d'utiliser un nouveau système économique qui est de, au lieu de trouver un investisseur pour un projet qui va donner, par exemple, 10 000 euros pour faire le projet, on va demander à chacun de participer avec 1 euro, 10 euros, 50 euros, 100 euros. Et en fait, s'il y a assez de personnes, on va pouvoir récolter ces 10 000 euros ou plus. Enfin, ça, c'est le principe de ce qu'on appelle aussi le crowdfunding, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça. On fait appel à la crowd, la population, les Exactement. Gens, pour avoir le truc. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ça a fait une révolution dans toute l'industrie créative, et surtout, par exemple, pour les designers comme moi, qui, en fait, on peut maintenant lancer nos produits, trouver un marché, des gens qui nous supportent, mais qui, en fait, achètent le produit, et sans passer par tous les autres systèmes traditionnels qui sont de trouver un distributeur ou passer par une galerie qui, eux, prennent une grosse commission. Et en fait, on peut être complètement indépendant et lancer sa carrière là-dessus. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que du coup, ça va plus vite? Parce que c'est Kickstarter, mais ça pourrait être Quickstarter quelque part. Est-ce que ça vous permet de lever des fonds très rapidement, de faire même peut-être des précommandes d'un produit, et du coup, ben, il ne faut plus 2, 3, 4 ans, mais en quelques mois, on peut lancer un produit sur le marché? Oui, alors c'est beaucoup plus vite parce qu'on a un mois pour lever tous les fonds. Mais après, et on peut lever énormément de fonds. Par exemple, là, il y a une campagne que j'ai faite l'année dernière avec deux amis, et on avait demandé 25 000 livres, on a reçu 145 000 livres. Donc oui, on peut lever énormément de fonds, mais il y a énormément de travail en amont. Et ce projet-là, en fait, moi, j'ai bossé 4 ans dessus avant de le lancer sur Kickstarter, parce que de toute façon, il faut quand même développer le produit. D'accord. Alors, vous dites que ça a évolué parce qu'avant, c'était une levée de fonds. Maintenant, c'est un accompagnement. Il n'y a pas que la levée de fonds. Il faut réaliser le produit. Enfin, il y a toute une étape. Et d'ailleurs, votre conférence s'intitulait « From Project to Product », donc du projet au produit. Quelles sont les étapes de l'idée qu'on a à un moment jusqu'à, je sais pas, la mise en ligne, de la vente en ligne, quoi, par exemple? Oui, donc en fait, la conférence dont je parlais hier, c'était vraiment quelque chose qui, moi, m'a ouvert les yeux sur le monde aujourd'hui, et en utilisant Kickstarter, c'est tous les projets que je faisais avant restaient au stade de projet parce que j'attendais que quelqu'un soit intéressé pour acheter la licence, etc. Et en fait, grâce à Kickstarter, j'ai commencé en 2012 à mettre mon premier produit sur Kickstarter. C'est devenu un vrai produit parce qu'il a été fait à plus de 10 000 exemplaires, il a été envoyé dans plus de 60 pays. Donc c'est vraiment, la chose devient vraiment réelle en un mois, et c'est ça qui est fascinant. Et en fait, c'est juste, tous les créateurs aujourd'hui ont leur chance de lancer leur carrière dessus. Ouais. Alors, je pense que Damien a des images à nous proposer. Damien? Oui, Sophie, je pense qu'on a trouvé le projet d'ailleurs qui a été mis. Si on peut me confirmer que c'est bien celui-là, il me semble que c'est celui-là, Moon, qui a été mis sur Kickstarter. Voilà, qui a récolté un peu plus de 145 000 livres, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. La demande, c'était 25 000 au départ. Donc, est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a au-dessus, Damien? Oui, voilà. Alors, c'est quoi ce projet, Moon? Alors, Moon, c'est un projet assez fou. J'ai commencé ça il y a 5 ans, et l'idée, c'était de... J'ai vu qu'il y a un satellite de la NASA qui prend des photos en permanence de la Lune, et je les ai contactés en leur demandant, est-ce que je pourrais avoir accès à toute votre database, ouais, et les utiliser, toutes les photos, pour ensuite essayer de recréer un globe lunaire en 3 dimensions à l'échelle avec tous les cratères. Ils ont été super sympas, ils m'ont donné accès. Et avec ça, en fait, j'ai créé le globe lunaire que j'ai imprimé en 3D, et ensuite j'en ai fait un moule pour les tirer à plusieurs unités. Et j'ai fait appel à deux amis qui sont ingénieurs pour recréer ensuite le Soleil. Donc c'est, ouais, une source lumineuse qui, okay, recrée exactement les phases lunaires. Et on a créé un ordinateur à l'intérieur qui, en fait, est synchronisé avec la Lune et le Soleil et la Terre en temps réel, et donc connaît les phases exactement. Donc il y a un mode où on peut l'allumer et la mettre en mode live, et ça va recréer la même phase lunaire qui est aujourd'hui. Donc ça veut dire que quelque part, on peut avoir la Lune et le Soleil chez soi, sur son meuble, et voir s'il est 17h, là,
la nuit commence à tomber. Si c'est pleine lune, ce sera pleine lune chez vous. Vous verrez la face de la lune qui sera complètement illuminée. Ouais. Et vous pouvez vraiment voir tous les cratères et reconnaître Copernicus, Tycho, etc. D'accord. Et ça, vous en avez vendu ? Donc on en a vendu, on voulait en produire 50, on en a vendu 300 sur Kickstarter. Et maintenant, donc on est en rupture de stock, on a tout envoyé. Et on travaille sur le deuxième batch pour en faire plus. Et c'est vendu au MoMA aussi à New York. Quoi. D'accord. Alors, on revient sur les projets que vous lancez. Pour être quand même honnête, honnêtement, sur 100% d'idées qui sont créées par... Enfin, je n'ai pas ça à me donner un chiffre précis, mais sur 100% d'idées qui sortent des créateurs, qui lancent ce produit, combien quand même réussissent au bout? Parce qu'il y a des projets qui sont bien, qui sont fous, mais qui ne trouveront pas de clientèle. Est-ce que vraiment c'est du 50-50? Est-ce qu'il y a des beaux projets, des belles idées qui sont un flop plus tard, ou au contraire, voilà, des belles réussites? Des fausses bonnes idées aussi. Ouais, donc ouais. Alors, moi je ne travaille pas pour Kickstarter, mais j'utilise beaucoup la plateforme. Donc, pour les chiffres exacts, je ne suis pas sûr, mais c'est à peu près, c'est dans l'ordre de 45% des campagnes qui arrivent à 100% et qui reçoivent l'argent. Donc en fait, si on compare ça avec les chances de trouver une boîte qui veuille acheter la licence ou un distributeur, c'est même pas comparable, c'est énorme, c'est une chance sur deux. C'est-à-dire qu'on lance la campagne, ouais, et ça marche, il y a 50% de chances que ça marche, ce qui est énorme. Donc c'est pour ça que ça fait une révolution. C'est en fait, il faut être super optimiste là-dessus et il y a énormément de chances de réussir son projet. Mais après, c'est pas magique, c'est énormément de travail, et c'est pour ça que j'ai créé une boîte qui s'appelle Sidekick, où on aide d'autres créatifs à lancer leur projet sur Kickstarter, parce qu'ils ne savent pas forcément faire une vidéo, ils ne savent pas écrire du bon texte ou regarder comment vraiment définir le projet et le lancer. Donc on les aide, on les accompagne en fait, et on fait toutes les parties créatives que eux n'ont pas. Donc ils apportent le projet et on fait la vidéo, la photo, la com, etc. Ouais. Le conseil peut-être à ceux qui nous regardent, qui ont une idée, qui sont peut-être, je sais pas, en études marketing ou que sais-je, qui auront envie de se lancer, c'est quoi le meilleur conseil que vous pouvez leur donner? C'est que croire en leur idée, évidemment, jusqu'au bout, mais comment franchir ces différentes étapes? Pour Kickstarter, si vous voulez lancer un projet sur Kickstarter, je pense que le meilleur conseil que j'ai, c'est prenez votre temps. Tout le monde essaie de le lancer tout de suite, et en fait, ça ne va pas vous aider. Donc prenez votre temps, c'est énormément de travail, et ne le faites pas tout seul. On a bossé avec des créateurs qui sont tout seuls et qui lancent leur projet, et c'est très difficile. En fait, les meilleurs, c'est quand c'est une équipe de 2 ou 3 personnes qui lancent ce projet ensemble. Donc, il vaut mieux se faire conseiller par multidisciplinaire aussi, une approche multidisciplinaire. Exactement. Du produit, etc. Ouais, quoi. Ouais, et avoir des amis ingénieurs comme vous. Oui, ça aide aussi. Ça aide. Hein. Votre prochaine idée? J'en ai beaucoup. Si j'ai envie d'écrire un livre sur les objets du quotidien. Ah ben voilà. Voilà, ça c'est. Donc rien à voir avec la lune, mais voilà. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous avez eu le temps de faire un tour sur le market? Ouais, bah c'est super. Vous en avez vu des sympas, des idées? Il y a plein de projets sympas, et il y en a beaucoup qui ont été sur Kickstarter en fait, que je connaissais, qui ont lancé leur campagne sur Kickstarter. Voilà. Donc c'est super. Alors nous, on connaît du Halo parce qu'on les a reçus l'année dernière. Ouais. Et Seb est passé les voir cette année, et ça donne ça. Merci en tout cas. C'est Grégoire, je travaille pour Dualo, on venait de Paris. On est 8 Frenchies à travailler sur ce projet, tous passionnés de musique. Et notre but, c'est rendre la musique accessible pour tout le monde. On a inventé un nouvel instrument de musique qui permet de tout faire. En gros, le principe, c'est qu'on a combiné dans une seule machine tout ce qu'il faut pour composer. Et ce, de façon mobile, c'est autonome, pas besoin d'ordinateur, c'est sur batterie, donc tu peux l'emmener partout avec toi, et de façon super intuitive. En gros, tu comprends avec ce nouveau clavier, tu comprends tout ce qu'il faut pour les bases de la musique, on va dire. Donc tu comprends tout ce qu'il faut pour le solfège de base, ce qui fait que même si tu es purement débutant, tu pourras t'y mettre. Limite, les gens qui sont moins musiciens possible, leur convaincre du contraire. Voilà, retour sur le plateau du festival, toujours en direct avec ces charmants garçons de Superbe. Bonjour. Alors, ils sont namurois, on a beaucoup voyagé, on a été à Londres, on a été à New York, mais il n'y a rien à faire, on revient à Namur avec vous. Notre cœur y est, hein. Voilà, d'ailleurs. Alors, vous n'êtes pas venus les mains vides. Gaël Bertrand, oui. Qui est donc le fondateur de Superbe. Un des fondateurs de Superbe, on est plusieurs. Un co-fondateur, hein. Et notre deuxième invité, alors je peux dire Guillaume, mais le nom de famille, là, je n'y arrive pas. Ah oui, on ne va pas se risquer. Oui, c'est un peu compliqué. Voilà, mais, ok.
Logiquement, tu as un micro, Guillaume, près de toi ou pas l'un l'autre. Il est dans l'autre. Voilà, il est voilà. Dans. Voilà, voilà, on va faire comme ça. J'adore. On est en direct. Micros, voilà. Ça arrive. Bah, alors, superbe d'abord. C'est une boîte namuroise. Oui. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Quel est votre core business? Alors, ben, ça fait quelques années maintenant. Et du coup, on fait des installations interactives. Alors que ce soit pour des musées ou pour de l'événement, des festivals, il y en a qui sont plus sur mesure. Et puis, il y a des installations qui nous tiennent à cœur et alors qu'on propose et qu'on remet un peu plus artistique et qu'on remet à gauche, à droite. Alors ici, on a un stand au Kick Market. En fait, on a profité de l'occasion parce qu'on aimerait bien proposer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire proposer des produits. Et donc, c'était un peu l'occasion pour nous de sortir un prototype et de voir s'il était bien accueilli par le public et faire un peu une espèce d'étude nature, de marché. Quoi. Oui, étude de marché, c'est ça. Voilà, voilà. En même temps, ce prototype, il a été testé, pas par n'importe qui quand même, dans le royaume. Hein. J'aimerais bien qu'on en touche un mot, puisque, puisque vous l'avez quand même créé là, les gars, un petit c'est peu votre en de amont gloire. Du kick, et vous l'avez offert au roi et à la reine. C'est oui, ça? Oui, 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 exactement. Donc en fait, ici, c'est la petite boîte. La petite boîte, le petite, minimum. Cette alors. Version-ci, elle existe depuis quelques temps, parce qu'on l'utilise un peu comme goodies, où on la donne un peu à gauche, à droite. Et donc, quand le roi est passé du coup au track où on a nos bureaux, on n'a pas pu s'empêcher de faire une petite version spéciale. Pour les enfants avec leur nom, oui, etc. Oui, 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 oui. Bon, alors cette petite boîte, on va regarder au fur et à mesure comment ça se passe. On a quelques petits soucis avec la caméra plateau que j'ai là en main, mais qui ne fonctionne c'est pas, grave. Mais c'est rien. Je peux peut-être, puisque je peux me lever, je vais en profiter. Voilà, c'est cette boîte-ci, je ne sais pas. On l'a récupéré. Ah, on a récupéré. Voilà, on va la donc, montrer. Logiquement, si je prends ici mon smartphone et que je vous montre ceci, ça fonctionne. C'est ça. Attention, voilà. Est-ce qu'on voit bien ça en régie? Voilà, alors, on y est. Pour la décrire, c'est donc une boîte. Le dessous est en bois. Et puis alors, à l'intérieur, qu'y a-t-il à l'intérieur de cette boîte? Il y a des composants électroniques. Il y a des composants électroniques de toute façon. Ouais. Et puis il y a du bois et du plexi. Voilà, je sens le secret industriel là derrière. Hein. Non. Vous pouvez envoyer vos questions, on vous répondra, il n'y a pas de problème. En fait, c'est une petite boîte qui fait du son et elle fait du rythme aléatoire sur base d'un son qu'on enregistre. D'accord. Voilà. Alors, c'était le point de départ. Ça, c'était le point de départ. Et puis, vous avez fait un upgrade. Vous avez dit, là, il y a moyen de faire mieux. Alors, du coup, là, vous avez créé une autre boîte. Donc là, maintenant, je suis dessus. Je ne sais pas si on va la voir sur antenne. Voilà. Et là, c'est Guillaume qui a travaillé sur le projet, c'est voilà. ça? Voilà. Exactement. Voilà. Alors, Guillaume. Un peu sur le projet. Donc, ce qu'on voulait faire au départ, c'est reprendre le principe de la petite boîte et donner plus de possibilités pour l'utilisateur de pouvoir changer, de pouvoir contrôler ce que cette boîte faisait. Donc, alors que là, on a assez peu de contrôle, c'est un peu gadget, c'est-à-dire qu'on enregistre quelque chose et ça fait un rythme aléatoire. Ici, on peut contrôler plusieurs choses. On peut contrôler le volume, la hauteur de la note et l'arpège, la structure de l'arpège, ainsi que le rythme, la vitesse à laquelle l'arpège va jouer. Bien, alors ça fait du son. Je propose qu'on entende ce son. Alors, vous allez démarrer un premier son. Est-ce qu'en régie, on va l'entendre? Vas-y, Gaël, peut-être. Ah. Voilà. Donc, je vais commencer par enregistrer un son d'abord. Ouais. Padam. Voilà. On sent le musicien qui résonne en Gaël. Alors, je sais. Normalement, on devrait entendre quelque chose. On devrait entendre. Est-ce qu'on entend quelque chose en régie? Est-ce qu'on augmente le son? Il y a un bouton in-out, me dit-on, c'est ça, non? Sur la DI peut-être. Ah voilà, c'est de notre faute. Il y a un bouton in-out. Ah. Ok, ça doit plutôt être. Voilà. Donc je suis obligé de le tenir en fait. Et puis ça ira mieux. Alors, mais voilà, donc ça c'est un son de départ. Ensuite, on peut le faire varier, c'est ça? Donc ils ont les gros comme ça, ils ont tous une fonctionnalité différente, un effet différent qu'on a rajouté en plus. Et donc on peut faire varier les paramètres de cet effet. Ici vous avez l'effet arpégiateur, qui est un effet assez célèbre dans les synthétiseurs, qui fait qu'on passe d'une note à l'autre et ça fait cette espèce de mélodie répétitive. Et donc on peut augmenter la vitesse,
la manière dont l'arpégiateur joue et le pitch. Et donc on arrive, on va vous faire une petite démonstration. Oui, vas-y. Magnifique. Et donc c'est, voilà, on peut varier quasiment à l'infini cette boucle. Alors on le voit, c'est très amusant, c'est très ludique. Est-ce que c'est de l'ordre du jouet que ça reste comme ça, ou est-ce que c'est vraiment, ça peut être utilisé en concert ou par un groupe qui sortira un album? Il y a différentes options et j'espère que les gens s'accapareront et en feront des tas de choses différentes. Mais c'est clair qu'il y a un petit côté gadget ou un petit côté aussi pour apprendre le monde du sampling, parce que finalement c'est très simplifié, mais c'est un sampleur. Et alors peut-être que ça peut aider aussi à apporter assez directement le bouton on-off, et on cherche une petite mélodie où il y a quelque chose d'aléatoire qui vient, qui va intervenir. Pourquoi pas un petit gimmick sur un album? C'est pas ça qui va servir à fabriquer tout un album de musique, non. Ouais. Mais comme petit truc additionnel, quoi. D'accord, ouais. Ok. Et donc, quel est le marché possible? Vous en vendez beaucoup? Vous avez des commandes? Comment ça se passe? Alors, cherchez justement quelqu'un pour distribuer ou que sais-je? Du coup, ici, on cherche d'abord... On est venu avec les prototypes pour le montrer au public, et ce qu'on cherche, c'est une espèce de modèle économique. On va voir en fonction des réactions. On a laissé un petit formulaire, les gens nous ont laissé leur avis, pour savoir si c'est faisable, si c'est viable, à quel prix on pourrait le faire. Parce que, ça ne va pas être fabriqué en Chine à 10 000 exemplaires, donc ça va avoir un certain prix. Est-ce que les gens sont prêts à le mettre? C'est ça qu'on est venu étudier ici. C'est ça que vous testez justement, Guillaume, l'accueil est bon ici? Oui, l'accueil est très bon, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est vraiment les tout premiers prototypes. Donc c'est pour ça que nous, on est très excités de les montrer. Et qu'ils ont été fabriqués, on a la chance d'être dans le même bâtiment que le Trac à Namur, qui est le Fab Lab. Et du coup, on a pu profiter des ateliers du Trac pour fabriquer ces premières. Donc c'est un produit namurois, vraiment. Ouais, le Trac, pour rappel, c'est un grand laboratoire. Exactement. Où plusieurs créateurs interagissent, s'aident l'un l'autre. Et où on peut travailler à la fois le bois, le fer, l'électronique, etc. C'est un grand laboratoire d'essai. Exactement. Qui est pour le moment basé du côté de Salzine, pas loin de la place Virse, et qui va pouvoir s'établir dans un nouveau lieu bientôt. Pas très loin d'ailleurs, un petit peu plus loin. Près du Grognon, voilà. Exactement. Voilà. Mais c'est la preuve qu'en partant d'une simple idée, ou peut-être même de matériaux relativement simples, on peut arriver à quelque chose de bien et vite si on a l'idée, le talent pour le faire. Ouais, et puis d'être dans ce lieu, du coup, ça nous permet non seulement de profiter des outils, qui sont des outils de prototypage assez rapides, mais aussi d'avoir après des retours des gens qui sont dans ce lieu-ci aussi et qui sont eux-mêmes des makers, des gens qui fabriquent des choses et qui peuvent nous donner des idées, et on peut avoir des premiers retours sur nos prototypes comme ça, donc c'est agréable. Et ici, au marché, les retours ont été très positifs, je pense, et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a déjà des gens qui nous demandent est-ce qu'on peut l'acheter ou est-ce qu'on peut l'acheter. Et nous, on a vraiment fait ça pour savoir comment on devrait placer, quelle cible on devrait toucher. Et on commence à avoir une meilleure idée maintenant. D'accord, donc le kick sert aussi à ça. Alors chez Superb, vous avez quasiment une idée par heure, plus ou moins, on peut le dire. C'est quoi vos prochains projets? Sur quoi vous allez vous lancer? Ici, la semaine... Sans dévoiler le secret industriel. Non. Ici, le prochain projet qu'on va présenter pour la nouvelle année à Rennes, c'est une chorale interactive. Donc vous serez le chef d'orchestre et vous serez la chorale en même temps. D'accord. Voilà. Ok. Vivement Noël. C'était vous aussi, les impressions l'année dernière sur les visages avec les lettres qu'on pouvait faire ici sur le marché. C'était le Trac, c'était Superbe. C'était le Trac. D'accord. Oui. Et donc on est toujours un petit peu dans cet esprit, voilà, oui, de créativité complète. Très bien. Alors des idées, je pense que nos prochains invités, il en a eu aussi. Bonjour Kevin Tillier. Bonjour. Alors, ça fonctionne. Ça fonctionne ? Je pense que ça fonctionne. Oui, on vous entend bien. Alors, dites-nous, vous venez d'où ? Alors, je suis Carolo, mais la start-up est à Tournai, donc à côté de Lille.
du côté du Hainaut, donc. Voilà, alors vous avez une belle histoire à nous raconter, je pense. Cette histoire, elle remonte à une période pendant laquelle vous faisiez du sport, c'est ça ? Voilà, donc à mes 16 ans, je suis parti faire du sport-études au Canada en tant que joueur de hockey sur glace. Là-bas, j'ai dû apprendre l'anglais. Comme on n'avait pas trop le temps d'aller en cours, vu qu'on était toujours sur les routes, vu que les routes sont longues là-bas, notre enseignant nous donnait des formations, des cours à distance avec une plateforme d'e-learning. C'est là que j'ai découvert tout cet environnement, tout cet écosystème et ce marché qui n'était pas très évolué il y a 10 ans, qui aujourd'hui l'est beaucoup plus. Et quand je suis revenu en Belgique, j'ai décidé de développer ma propre plateforme avec une expérience utilisateur beaucoup plus propre et beaucoup plus adaptée au public aujourd'hui, et surtout dans l'optique d'aider les entreprises à optimiser le temps de formation des salariés et à aider leur équipe en interne, ceux qui produisent le contenu, avec une plateforme qui est simple, intuitive et qui fonctionne. Voilà, et puis comment ça marche alors aujourd'hui, concrètement ? Alors, la plateforme, il y a plusieurs utilisateurs. Si on part des managers, donc les équipes L&D, donc Learning and Development, peuvent développer eux-mêmes leur propre contenu. Donc, ils peuvent créer des formations en ligne, aller chercher des vidéos sur YouTube, des vidéos qu'ils ont produites en interne, créer des quiz directement dans la plateforme et ensuite les diffuser auprès d'un groupe d'apprenants. Donc, que ce soit des formations en marketing pour l'équipe marketing, des formations en management pour les managers. Voilà, tout est là. Il y a aussi un côté accompagnement où on aide les entreprises à passer le cap du digital. C'est pas facile. Et donc, on a une équipe d'experts qui les accompagne, dont moi-même, plus deux personnes dans l'équipe, une parisienne et une personne à Londres. Et donc, quand on démarre un projet, surtout chez les grands comptes, on envoie d'abord un de nos experts en audit sur tous les outils qu'ils utilisent, sur la pédagogie qu'ils ont mis en place et les contenus. Et ensuite, on leur fait un programme. Voilà, ça peut aller de 6 mois à 2 ans. Avec un plan de progression, parce que passer de la techno, ça ne va pas du jour au lendemain. Surtout, une plateforme d'e-learning, s'il n'y a pas de contenu dessus, ça ne sert à rien. Et habituellement, la plupart du temps, c'est l'erreur qu'ont fait les entreprises, c'est d'acheter une plateforme en oubliant le principal qui est les contenus. D'accord. Est-ce qu'en fait, vous êtes un self-made man, quelque part, de votre idée ? Vous êtes parvenu à en faire un produit, à être avec une société maintenant, etc. C'est la preuve que... Voilà, quand on a la bonne idée et qu'on va jusqu'au bout des choses, ouais. On peut y arriver, quoi. Oui, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aussi trouver l'équipe. Parce que tout seul, je ne sais pas programmer, donc il a fallu trouver Comment un cofondateur. Comment on fait justement pour trouver l'équipe ? Comment on fait pour trouver l'équipe ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'aide en Wallonie, par exemple, de la part des pouvoirs publics, sur le plan financier, mais d'accompagnement aussi ? Alors, sur le plan recrutement, je pense qu'il faut aller pitcher son idée. Il y a plein d'initiatives qui se font. Si vous allez sur Eventbrite, il y a plein d'événements qui se passent à Bruxelles, un peu partout dans toutes les villes, où on peut trouver des cofondateurs assez facilement. Et après, au niveau des aides, l'aide à l'emploi. Donc nous, quand nous sommes passés de 3 cofondateurs à 6, on a recruté avec ce qu'on appelle le programme Sésame. Et aujourd'hui, un an et demi après, nous sommes 18 dans l'entreprise. Donc là, il n'y a plus d'aide forcément. Ouais, mais on peut dire en tout cas qu'on vous a porté vers ça et que maintenant, c'est une société qui tourne, quoi. C'est de l'emploi c'est une créé, société d'emploi qui tourne, pérenne. Qui est proche d'être rentable. En un an, c'est très bien. Ouais. Vous pouvez quand même aussi témoigner par rapport à d'autres qui voudraient se lancer dans des projets. Il y a des moments délicats quand même, je suppose, au début, parce qu'il faut faire passer son idée. Les financements, la première, deuxième, troisième année, première année, c'est un peu difficile. Mais après ce moment critique, il y a moyen d'en faire du business ? Chaque start-up a ses étapes et son aventure aussi. C'est pas simple aujourd'hui de trouver du financement. On voit beaucoup de levées de fonds sur Paris, sur Londres, aux États-Unis. Faut pas rêver, faut bosser. Si des startups font des levées de fonds, c'est soit parce qu'il y a le produit ou il y a la rentabilité qui est là. Et après, en Belgique, il y a le fonds Wing, il y a l'InSquare, il y a aussi les invests publics. Nous, c'est WAP Invest qui est rentré le premier au capital et qui nous a poussé. Donc faut pas hésiter à aller voir ces invests, ils sont là pour aider. Et aussi, au début, ce qui rassure les investisseurs, c'est se faire challenger par des coachs. Nous, on a été accompagnés par entreprendre.wapi, mais il y a plein d'initiatives également. Donc, pas rester renfermé, tout de suite aller challenger son produit. On a pivoté 2 fois. Je n'ai pas parlé d'une période où on avait un produit. Enfin, la plateforme était axée sur l'éducation, le marché de l'éducation, mais ça fonctionne pas.
le marché est trop jeune en Belgique. Donc on a pivoté vers le B2B et c'est là qu'on a trouvé notre marché. Et sans un accompagnement, on n'aurait pas pu le faire. Ouais, c'est comme on le disait tout à l'heure d'ailleurs, hein, ne pas hésiter à avoir un accompagnement multidisciplinaire pour ouvrir les yeux quelque part et savoir vers où on peut aller. Ouais. Et après, faut rester maître aussi de son idée. Il n'y a que l'entrepreneur ou les entrepreneurs qui savent là où ils veulent aller avec le produit. Les coachs sont là pour conseiller, pour accompagner et pas pour prendre des décisions à votre place. Ouais. Une question, comment ça va l'anglais maintenant? Ça va très bien. Qu'est-ce que ça veut dire « a mile in my shoes » en anglais? My in my shoes? A mile in my shoes. Oui. C'est une expression canadienne, ça? Non. Est-ce que vous avez vu cette boîte à chaussures qui est installée devant le théâtre? Non, en fait, a mile in my shoes, c'est très simple, c'est 1 mile, donc c'est pas un kilomètre, c'est 1 mile. Ah oui, a mile in my shoes, ok, d'accord. Dans mes chaussures, voilà. Okay. Voilà. Alors, et moi, j'ai envie de parler des vôtres. Qu'est-ce qu'elles racontent comme histoire, vos chaussures, Pascal? Mais je sais pas, on va peut-être leur donner le micro, non? Oui, les miennes aussi, elles peuvent raconter des choses. En fait, chaque chaussure raconte des choses. Des histoires de vie. Les vôtres, par exemple. Ah ben, ils racontent qu'on est bien dans... Moi, je suis bien dans mes chaussures. Oui, elles font de la télé en ce moment, les nôtres. En tout cas, on remercie notre invité. Oui, on vous remercie de passer nous voir. On va accueillir un nouvel invité dans un instant, mais en attendant, donc, Sophie. Eh bien, on va regarder ce qu'est cette boîte à chaussures installée depuis quelques jours devant le Théâtre Royal de Namur. L'idée est assez simple, vous allez comprendre. Regardez. Devant le musée de l'empathie. Alors, c'est une histoire très, très intéressante. C'est un philosophe qui s'est associé avec une artiste et qui propose de chausser pendant 1 mile les chaussures de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour vraiment découvrir ce qu'est l'empathie. C'est de se promener dans la peau de quelqu'un d'autre en enfilant les chaussures. Et avec le casque, on entend son histoire. Et il y a des histoires extrêmement touchantes. A mile in my shoes. Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce audio. Et on peut porter des chaussures de quelqu'un d'autre. Mais j'ai déjà fini, puisque quelque part, rue Lesbosa, 43, je n'y vais pas, je vais jusqu'au 41. Hugues, il est de Bruxelles, il est facteur, mais aussi, il chante aussi, je pense, mais mon français est pas super bon. Mais on entend l'histoire de Hugues et ses chaussures assez grands. Qui ont fait beaucoup de route alors. Beaucoup de... Elles ont beaucoup marché, ces chaussures, oui, si les facteurs... Je pense que oui. Mais ils sont aussi super chic, en fait, pour un facteur. Donc, oui. Mais je trouve les chaussures de ma copine super. Elles sont très, très belles. C'est les chaussures de qui? Sont les chaussures de Flora. Et c'est une mère. Et elle a une fille handicapée. Et elle parle d'elle, surtout. Mon parcours de vie est cabossé. Je suis ce qu'on appelle une rescapée de beaucoup de choses. C'est une chouette histoire. Un peu tragique aussi. Et c'est un contraste avec les chaussures, selon moi. Car elle est un peu triste. Et les chaussures sont un peu... Festives. Oui, voilà. Donc, voilà. C'est ça. En fait, c'est la première fois... Je vois Hannelore avec des chaussures si hautes. Oui, des talons. Oui. Vous n'avez pas l'habitude de porter des talons? Non, généralement pas, car il est plus petit. Sinon. Elle est plus grande que moi. Non, généralement, je portais des sneakers, surtout. Voilà. Eh bien, on vous laisse continuer le voyage. Oui, okay. On va voir. Au revoir, oui. Merci beaucoup. Ciao. Ce qui m'arrive encore bien, c'est de m'arrêter un café ou l'autre, prendre encore un café en me donnant 5 minutes. Ça, je le fais.
Ben voilà, j'espère que vous avez compris hein, l'idée. Et je remercie en tout cas ce petit couple bruxellois, Anne-Laure et Ilias, de nous avoir raconté leur histoire. Alors, on accueille maintenant un journaliste de l'Avenir. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va ? Super. Alors, je sais que toi aussi, tu as testé A Mile in My Shoes. Effectivement, oui, oui, oui. Et j'ai même la preuve en image. Attention. Aïe, 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 aïe. Attention, je suis passée par là. Et voilà. Et voilà. De magnifiques pantoufles roses. Roses. Mais dis voilà, donc, j'aimerais que tu nous racontes l'histoire de ces pantoufles. Voilà, alors l'histoire des pantoufles, je vais me permettre de ne pas la raconter parce que je pense que c'est sympa justement de pouvoir les mettre en ne sachant pas vers quoi on se dirige. En tout cas, moi, c'est ça qui personnellement D'accord. m'a beaucoup plu dans l'expérience. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas spécialement une histoire rigolote. Contrairement D'accord. à ce que les chaussures pourraient laisser penser. Donc l'habit ne fait pas le moine, voilà. décidément. Mais donc, non, moi, je conseille vraiment d'y aller sans connaître l'histoire. Ça rend l'expérience beaucoup plus intéressante. Voilà, c'est une voilà. chouette, chouette expérience, donc, vraiment. Donc, Nicolas, pour l'avenir, tu as testé notamment Emma Lima Shoes. Mais oui. Et d'ailleurs, donc demain, dans les pages de l'avenir, on va retrouver un article. Voilà, donc ici, dans les pages de l'avenir, moi, je raconterai un petit peu ça de manière plus narrée pour expliquer comment moi, j'ai vécu l'expérience. En fait, là, ici, on a compris le concept. Moi, ce sur quoi je désirais insister en parlant de cette expérience, c'était en la vivant, je me suis rendu compte que plusieurs personnes passaient par là. Et voilà, jetaient un coup d'œil, on leur proposait d'essayer des chaussures. Et les gens regardaient un peu d'un air suspicieux, puis un peu gêné, disaient non, non, et passaient leur chemin. Et en fait, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance d'avoir ça à Namur. D'abord, ça ne restera pas que le temps du festival, ça sera oui. pour une dizaine de jours. Oui. Donc ça, c'est intéressant de le souligner parce que vous avez encore une ça semaine continue jusque le week-end prochain, pour en ça, profiter. Pense, hein. Voilà. Et en fait, on pourrait croire qu'il y a un petit côté un peu gadget, je mets des grandes bottes ou des chaussures roses, et c'est rigolo, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a une véritable on dimension vraiment dans la peau d'un émotionnelle. Personnage, quand, en fait. quand on médiatise comme ça son rapport à l'autre par un objet, ça crée quelque chose de supplémentaire qui fait... Enfin, moi, je vais être honnête avec vous. Honnêtement, je l'ai essayé comme ça, un peu sans m'attendre à rien du tout. Et j'ai eu cette petite chute de tension que j'assimile généralement des grands moments d'émotion. Ça s'appelle le musée de l'empathie. Hein. Exactement. Voilà. Et donc, oui, on est face à une expérience, pas un gadget. Donc, courez-y, vous avez encore une semaine. Ça serait dommage de passer à côté. D'accord. Alors, l'avenir couvre le festival. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué d'autre jusque-là ? Voilà, alors je voulais aussi vous parler d'un papier qu'on a développé aujourd'hui dans le journal. C'est une personne, elle s'appelle Colienne Demain. Elle ouais. a 30 ans, elle est cynacienne. Et en fait, Demain, donc c'est son nom de famille, mais ouais. c'est un nom de famille assez prémonitoire finalement. Je suppose que vous vous rappelez du fameux film éponyme qui a fait assez sensation, fait, qui ouais. parlait de la transition écologique, etc. Bah, elle s'inscrit un petit peu dans cette même dynamique. Colienne Demain, à la base, elle est ingénieure civile de formation. Elle a travaillé à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, donc c'est quand même une bonne pointure. Quoi. Elle a du bon background derrière elle. Et voilà, un soir, elle se baladait dans les bois et elle promenait son chien. Et puis il faisait noir. Elle se dit, oh, il me manque ma lampe de poche. J'aurais dû avoir une lampe de poche frontale avec moi. Et vous savez, on s'en rend compte avec A Mile in My Shoes justement. Quand on marche, on gamberge. Et elle se dit, ce serait pas mal finalement de pouvoir développer un système qui permettrait d'utiliser cette lampe de poche frontale, mais sans pile. Sans quoi que ce soit, sans batterie, mais juste à l'aide de l'énergie corporelle en fait. Et voilà, donc elle a développé ça elle-même, toute seule. Elle a cru en son projet, elle l'a fait de manière très artisanale et elle utilise la chaleur du corps pour faire fonctionner cet objet. Voilà, et c'est très intéressant. Et on voit d'ailleurs l'article que vous avez déjà mis en ligne pour l'avenir.net. Exactement. Hein, je suppose. Il faut insister en fait sur le fait que ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est juste pas pour ce cas précis que ça peut fonctionner, on peut vraiment le décliner. En plein d'idées, oui. elle, par exemple, planche sur un projet de coque de téléphone qui serait elle-même munie du même système et qui permettrait, quand ouais. on l'insère dans sa poche et quand on marche, avec le frottement et la chaleur, c'est de recharger, très, très intéressant. En tout cas partiellement, ouais. le téléphone. Alors, et tu pour info, pas si bien dire oui. qu'elle s'appelle Colienne Demain. Demain, et sans mauvais jeu de mots, elle on sera va la sur recevoir notre plateau demain. Demain, évidemment. On saurait plus. Donc voilà, c'est deux sujets abordés par le journal Avenir. Vous avez une équipe complète qui couvre le festival ici. Oui, voilà, on est... en partie là pour le journal papier, mais il y a aussi toute une équipe web qui se balade un petit peu partout, ouais. qui fait des direct live, qui fait des vidéos, etc. Donc on essaye de couvrir ça un maximum, et c'est vrai que c'est un événement assez tentaculaire. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Vous êtes physiquement présent ici sur le marché, dans la newsroom. À ce propos, je propose de retourner une dernière fois pour conclure cette émission vers Damien, qui est toujours situé à quelques mètres de nous avec les confrères de la presse. Tout à fait, Sophie. Et, bah, on en profite, hein, on vous montre
les articles qui sont dédiés effectivement au festival, couverts avec les confrères de l'avenir, mais aussi bien sûr les vôtres, hein, du Kik. On ne peut que vous inviter à venir encore faire un tour sur Namur, encore ce soir, demain évidemment. Sur les réseaux sociaux, ça continue aussi à beaucoup parler, on en a parlé sur la toute première émission, mais de cette fameuse expérience Shrink qui vraiment marque les esprits, manifestement cette année-ci. Beaucoup de photos sur Facebook, sur Twitter qui en parlent. Et puis si vous n'avez pas la chance de vous rendre à Namur, sachez que les conférences, en tout cas certaines conférences, sont disponibles en direct aussi sur le site du kik.be/live. Merci pour cette info, Damien, et à demain. Allô. Voilà, Pascal, bon, on va clôturer. En clôture, hein. On remercie Nicolas. Avec grand plaisir. Bon boulot. Et demain, on aura de nouveau un de tes collègues qui viendra nous parler un petit peu du traitement dans les pages de l'avenir. Exactement. Je pense que ça sera horrible. Merci, très bien. Eh bien, on va se reposer un petit peu. Oui. Repréparer les émissions pour demain, avec notamment Colienne demain. Il y aura d'autres créateurs qui viendront sur ce plateau. Alors demain, ce seront deux émissions plus familiales, puisqu'on sait que le samedi, c'est moins professionnel, c'est plus grand public. Donc on en profitera pour justement présenter les activités grand public, notamment les activités pour les enfants, les autres expositions, ce qui se passe. Et ce sera Mandy qui sera avec moi. Aux commandes. Voilà, les rendez-vous sont pris à 14h et à 15h en direct. Et rediffusion de nos émissions ce soir et bien sûr sur le web. N'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.